Daniel! Oh Patrick! Dis-nous ensemble ce soir si tu veux. Avec plaisir, comme ça je pourrais enfin vous présenter Emma. Attends, t'es quand même pas en train de me dire qu'il va venir dîner ici avec sa nouvelle copine? Non, c'est ça. Mais Daniel, c'est ça? Alors que ce salaud vient de quitter ma meilleure amie sans aucun état d'âme? Ah! Bonsoir. Enchantée. Enchantée. Mais je n'arrive pas à comprendre comment il a pu quitter Laurence, qui est une femme extraordinaire, pour cette gamine de 30 ans. Oh, écoute, c'est pourtant très facile à comprendre, hein. Qu'est-ce que t'as dit? Moi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Il n'arrête pas. Pardon? Il n'arrête pas de parler de vous. Ah! Je suis horriblement gourmande. Vous êtes gourmande, vous? Horriblement. Ouvre la bouche. Qu'est-ce que je fais de la bouche? Ah! Oh merde! C'est horrible. Amène-moi quelque part. On n'a que vie. Vous portez en elle la promesse d'une vie folle, mais dense et vertigineuse. Pour la première fois de son existence, il venait enfin de se réveiller. Hmm? T'es avec nous? Oui, pardon. Elle aime tellement la vie. Oh bah c'est sûr, hein, c'est une gourmande. Hein. Pardon? Il se délecte de te voir faire ce que tu fais. Ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Du lèche-vitrine. Du quoi? Du lèche-vitrine. Et tu délires totalement, il est juste venu dîner à la maison pour nous présenter la femme que j'aime. La femme qu'il aime.